Salut tout le monde, donc je lance le let's play sur CatQuest comme je l'avais annoncé sur ma vidéo découverte du même jeu. Donc je vous mets le lien dans la description puisque ça fera office d'épisode 0, donc là je vais continuer ma partie, voilà, continuer. Donc ce qui s'est passé dans l'épisode, dans la vidéo découverte, fera office d'épisode 0. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe, en vrai il se passe pas des trucs de fou, hein, le scénario n'est pas ouf. Mais voilà, histoire de suivre un petit peu ma progression, je vous y renvoie. Donc, on avait dormi ici, on avait un petit peu de stuff, voilà. Je sais plus où est-ce qu'il fallait qu'on aille, on va suivre la quête principale. Je pense que je vais faire aussi des fois quelques quêtes secondaires, histoire de varier, enfin, je sais pas encore, je verrai bien. Et autrement, on va faire la quête principale, principalement, lol. Et aussi, je vais faire une grosse session de jeu que je découperai en épisode plus ou moins équilibré, que je tâcherai de sortir assez régulièrement. D'avoir un petit stock d'avance pour là, si je le sors tous les jours ou tous les deux jours, là, pour avoir un petit stock d'avance, en ayant un stock d'avance. Parce que moi, après, je vais reprendre le taf, etc. J'ai plein de trucs à côté, donc c'est pas dit que je puisse y jouer souvent. Enfin, bref, vous verrez bien. Moi aussi, de toute manière. Ah, cher aventurier, comment puis-je vous aider? Voilà, vous êtes tellement mignon. On n'est pas mignon. Bref, revenons à nos moutons. J'ai vu un dragon, messieurs. Ah, oui, c'est vrai, avec mon but du dragon. Permettez-moi de marquer sur votre carte. Voilà ça, on éligne plusieurs dragons du méchant là, avant de pouvoir le redéfier, il y a un défi justement. On va avoir un meilleur niveau en affrontant ces dragons. Appuyez sur le bouton d'arrière pour voir votre carte. D'accord. Donc c'est loin. Allez, hop. On y va, touchous. Jamais ce qu'il y a dans les forêts. Hop là. Hop là, il y a une pierre. La paix que les vieux maîtres amenaient ne durera pas longtemps, car les dragons sont arrivés un peu après. Il y aura un truc à faire, on les découvre tous. Niveau 15, c'est trop pour moi. Non. Oh. Oh, on peut acheter un nouveau sort. Tonnerre grille les ennemis avec le pouvoir du tonnerre. Miaou. Apprends tonnerre pour 50 heures. Bah oui, carrément. Alors on va mettre... Non, j'ai... Hop, et RB pour celui-là. Voilà. J'ai pas assez d'or pour l'améliorer, donc c'est pas grave. Oui, il y a un dragon là-bas en effet, mais alors comment je vais y avoir accédé? Oh, faut que je fasse tout le tour en fait. Eh bien, faisons ça. Alors, je pense que là, il y a des petits îlots sur les... Bah, des petites îles en fait, mais je sais pas... Je crois qu'on puisse nager. Blablabla. Bla, bla. Oui, il y a pas de répéter ça à chaque fois, quand même. C'est pas genre, peut-être qu'il y aura un radeau à un moment, je sais pas du tout. D'accord, ok. Il a la même attaque que moi niveau foudre, en fait. Aïe. Ok, on va profiter pour dormir un peu, parce que j'ai perdu masse de vie. Est-ce que je regarde aussi un petit peu le temps de vidéo pour voir quand est-ce que je m'arrête? Parce que peut-être que je vais faire... Enfin, je sais pas. Est-ce que je fais une grosse session et je la coupe à l'arrache? Ou est-ce que genre je fais des épisodes de plus ou moins 20 minutes en fonction de ce qui s'y passe? Je sais pas. J'arrête bien. Le mec. Niveau 15, nope. De toute façon, on fait la quête principale, donc je suis juste curieux, en fait. Caverne des poilus. Forge de KitKat, j'ai pas beaucoup d'argent, garde de rivière, salut. Ok. Niveau 6,
Et on gagne du coup toute sa vie et sa mana en... lorsqu'on passe à niveau. C'est classique. Il fait déjà tuer un dragon, mais ceux-ci semblent différents. Nous devrions essayer de devenir plus fort d'abord, beaucoup plus fort. Ah bon, bah du coup, tu vas faire des pièces dans tous les cas. Je sais pas aussi, mais combien de. 25. Ah, écoutez, on va faire des quêtes du coup, hein, si vous en suivez bizarre, ça va venir de gagner de l'XP. Tant pis, moi qui voulais faire la quête principale. Pas de quête disponible ici, on va profiter pour dormir un peu, on rajoute de la vie. Je crois que j'aimerais savoir aussi. Bon, on va faire une seule quête, voilà. On verra bien ce que ça nous fait. Ici, voilà. Niveau de la quête 10. On va essayer de faire ça, on verra bien. Est-ce bizarre que la ville soit complètement vide, mais qu'il reste quand même un panneau de quête? Voilà, moi. S'il vous plaît, ma soeur est tellement malade. Est-ce que quelqu'un va nous aider? Bon, venez alors. Allons voir ce dont les paysans ont besoin. Lui aussi pour la quête. S'il vous plaît, ma soeur jumelle est tellement malade, je ne sais pas quoi faire. Paysan, n'aie pas peur, tes sauveurs sont arrivés. De l'herbe à chat, s'il vous plaît. Trouvez de l'herbe à chat, ça peut tout guérir, je le sais. Cette plante pousse près des montagnes à l'est d'ici. Faites vite, je ne sais pas combien de temps il lui reste. Tin, ta, la, tin, 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 tin. Eh bien, allons chercher de l'herbe à chat, du coup. Salut, l'estremont. Wouah, les dégâts que ça faisait, là. Ah non, c'est moi qui m'y suis pris, lol. Bon bah game over, du coup on est reparti. Et blablabla, blablabla. Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Allez lui on peut. Ok. On va essayer de les aggro un peu. Masse de dégâts. Hein. Jeune, tout à l'heure, je me suis fait avoir. Se régénère ici. J'ai un bouclier, mais je pense que le bouclier c'est que pour les attaques physiques. Et les attaques de mana, je me les prends bah, direct quoi. Ok. Tac, lui c'est fait. Niveau 7. Et bah le gameplay est toujours aussi dynamique, alors peut-être que je m'en lasserai à un moment, je sais pas, mais... Qu'est-ce qu'il dit lui là-bas? Ah, Dracosan, savais-tu que si tu vas voler, les ennemis deviennent plus puissants? Non, mais je pense que je m'en serais aperçu de moi-même. Tiens, je vais les repopper. Je vais passer niveau 8. Ouais, ça va assez vite là pour l'instant. Ok. Où est l'arbacha? Embuscade! It's a trap! Et je suis mort. Oh non, enfin que je meurs pas, t'inquiète. Est-ce que ça sauvegarde, mais ouais, je suis toujours niveau 7, ça c'est cool. Ah, il y a du diffé quand même, je disais dans la vidéo découverte que c'était genre assez accessible et tout. Faut pas y aller, peut-être baissé. Hein. Ok.
Non, chier. Ok. Niveau 99, what the fuck? On en est loin, hein, le niveau 99, le coup. Ils font mal, il faut que je fasse gaffe. Oh purée, il m'a eu. Bon, pas grave. Faut que je refasse le truc de la vache. Putain. Ok. On va essayer un peu de les éviter. Se repose. Avec la manière en fait. Oula, il y a un mage. Reste loin des villes jumelles. C'est votre dernier avertissement. Ok. Il ressemble à une grande maison abandonnée. Quoi? Où sont les paysans? C'est pas possible qu'on imagine tout ça, hein? Si on a le temps, on devrait éviter la ville de l'autre côté. Ok, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bon. C'est pas grave. Ouais, niveau 10 ça serait bien. Avant d'aller poutrer le dragon. Voilà, c'est quelques quêtes là dispo. Là-bas. Hop. C'est. C'est ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est assez d'or aussi pour un étrange charme. Pour améliorer un sort. Paysan, qu'est-ce que ce charme étrange? Ils nous ignorent. Est-ce qu'ils sont tous sous l'effet d'un sort? Allô? Laisse-moi voir ce charme. Spiri vole autour du charme curieusement. Je peux avoir une piste magique. Elle devrait nous mener vers celui qui a lancé ce sort. D'accord, alors moi je vais juste d'abord les voir ici. Oh, il y a encore un autre sort. Et bah allons-y. Oh, pas mal ça. Un truc pour guérir. Ah ouais, je veux, hein. Apparemment, c'est en faisant la touche A, appuyer longuement, on va essayer. Quoique là j'ai pas pris de dégâts, peut-être que faut prendre des dégâts, on va volontairement s'en prendre quand on rentrera un ennemi. Si on rencontre un ennemi seulement. La piste magique aboutit à cette marque. Attends une minute poilu, j'entends des monstres. Là, voilà, parfait. Le 9. Bon bah je sais pas comment régénérer la vie là. Montre-moi encore cette marque. Alors attends. Déjà. On va la signer. Non. Oh, putain. Ça là. Et ça, et ça là. Ok, voilà. Il me semblait qu'on pouvait aussi assigner à la touche A, mais bon, je ne sais pas. Oula. Oh, Dieu chat, d'où venez-vous? Charme, je dois avoir le charme. Ils sont bizarres les gens ici. Hein. Elle est trop flippate. Fuis, pas de tonnerre. What the fuck? Donne-moi ça, charme. Donne-moi charme.
Elle veut ce charme qu'on a pris dans la ville. Elle laisse pas d'avoir, jette-la dans l'eau. What the fuck? Pourquoi est-ce que je me souviens d'un joueur à l'autre? Oh, Dieu charge, je donne une pause. Ok. Est-ce que des quêtes sont genre mêlées les unes des autres? Ce serait sympa ça. Ok, bah quête complète, on peut peut-être retourner dans la ville pour en savoir plus, c'est bizarre, parce qu'après... Après j'oublierai un petit peu ce qui se passe, alors du coup, pas de mana pour régénérer, bon, ça va revenir. C'est celle-là, ouais. Allez, niveau 15, ça pique un peu, hein. Je vais pas la faire. Niveau 5, je crois que j'ai déjà fait les ruines alpha, non? Il me semble. Oh purée, ils m'ont tué. LOL, putain, j'ai même pas vu arriver, c'est ça qui est fou. Hein. C'est dingue! Bon, il retourne. Du coup, ok, bon, ça servait à rien, mais moi j'ai vu juste le sort de régénération. Niveau 10, ça. Et eh ben, moi je dis c'est cool, hein. On va retenter, on va tenter de faire le dragon du coup. Hop. Ça peut me faire un peu de remettre de l'herbe à chien encore. Ah bah tiens, on peut faire ça. Allez, on va faire ça. Attends un peu, tout ceci semble affreusement familier. Allons voir. Yo. Oui. L'herbe à chat, oui. Eh bien, allons voir. Il y avait l'embuscade, ça. Ah oui. Cachons-nous. Je suis un génie. Et regarde, la machine ne s'est pas faite écraser cette fois. Malin. Yes. Pas mal. Je trouve ça assez bien malgré tout. Hein. Ah, oh. Je dis de rester loin. Où sont les paysans? Est-ce que tu travailles pour Drakov? Prenez ça et ne revenez jamais. C'est votre super dernier avertissement. Chapeau d'arcane. Ça m'intéresse pas beaucoup, on va dire. Oh! Miroir. Faut que je retourne à l'autre. Ouais, bah. On va juste poutrer les monstres là pour faire passer niveau 11 et on va monter le dragon. Je devrais le faire. Faut que je fasse gaffe à ma vie. Régénérer parce qu'ils m'ont fait super mal. Je sais pas s'ils régènent ou pas, mais pas l'impression, tant qu'on se m'éloigne pas trop du moins. Bon, parfait. Allez, plus qu'un, plus que deux. Perfect. Ok. On se régène.
Partie sauvegardée. Et allons buter du dragon. Ah, dès que je peux aller à la forge de Kit-Kat, voir si je peux faire des... Ah oui, ça j'ai déjà fait ça. Je peux avoir des trucs intéressants. 5000, non, à 50. J'aimerais bien vendre en fait. On va voir un truc intéressant qu'il va nous donner, mais j'aimerais bien avoir, pouvoir vendre en fait. Ouais, bon, c'est pas très intéressant. Allez, le dragon. Ah oui, il a l'air un peu plus que toi, en effet. Il faut équiper les copains avec lui, surtout. Ah, en fait, je récupère de la vie, mais pas beaucoup. Hein. Ça me pompe toute ma mana. Et je récupère pas beaucoup de vie, en vrai. Hein. Ah, il est plus tourné fait. Hein. Je perds que 10 points de vie, c'est rien, quoi. Ah, waouh. Ouais, il est trop costaud, en fait. Hein. J'ai avoir beaucoup de mal. Hein. Voilà, il m'a tué. Bon. Ouah, il faut que je passe encore plusieurs niveaux. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, je pensais finir la vidéo avec en battant ce monstre-là, enfin, battant le dragon, mais. Non, on va torcher un peu les quêtes. Annexe. C'est pas grave. Cauchemar chevaleresque. Allez. Maintenant, ma soeur ne veut pas se réveiller. Aidez-nous, s'il vous plaît. On apprendra peut-être plus sur cette malédiction. Allons-y. Oh, vous êtes revenu. L'herbe à chat que vous avez donné a beaucoup aidé ma sœur. Merci beaucoup. Mais la fièvre de ma sœur semble affaiblie, mais elle ne se réveille pas. Elle n'arrête pas de bouger dans son sommeil en parlant d'un chevalier. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Ok. Suivons la piste. On va se faire aussi quelques ennemis sur le chemin. C'est quand même bien que je puisse régénérer de la vie, mais bon, pas beaucoup pour toute la mana que ça m'est pompé. Faut peut-être que j'améliore le sort. Blablabla, ça on s'en fout. Mais je le fais quand même. On dirait que le spectre est dans cette caverne. Pour vraiment terrasser un spectre, il doit le battre ainsi que tous ses serviteurs. Compris? Compris. Eh bien, allons-y. Tac. Ouah, il fait de la glace, lui. Tac, un petit coffre. Casque d'écuyer. On va voir si c'est intéressant ou pas de se l'équiper. Où c'est qui est là? Il m'augmente ma magie et ma défense. Pas mal, pas mal. Ah bah tiens, ça peut être lui là. Ah, il m'a fait mal de dégâts. Je me régène. Oh là là, ça va être dur ça. Oh, bordel. Ah mais j'ai pas une potion dans mes items moi. Non mais j'ai crevé. Hein. Je vais crever. Pas encore assez fort visiblement. Hein. Après peut-être que je joue mal. C'est pas impossible. Blablabla. Bla bla. Allez, on va tuer quelques monstres sur
sur le chemin, peut-être que ça nous fera gagner au moins un niveau. Ou pas, mais peu importe. Ça a l'air très bien aussi, là, pas. Salut toi. C'est quoi, ça? Un château bizarre. Bon, bah, on essaie, hein. Ok. Allez, nous deux. Ok, c'est bon, je le gère. Perfect. Ok, hop, on récupère l'XP, bientôt niveau 12, c'est parfait. On n'oublie pas le coffre. iPhone clé, fuck. Bon, c'est pas grave. On va rendre la quête et je vais pas arrêter ma session de jeu, mais du moins couper la vidéo ici au montage. Encore lui? Laissez-la tranquille. La maison est vide, encore une fois, abandonnée depuis plusieurs années. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ville maudite de merde. Ok, bon voilà. Donc je m'arrête là pour la première vidéo, pour l'épisode 1 donc. Et moi je continue, voilà. Bah, à très vite.